Cette marche avec à sa tête le gouverneur du Congo central répond à l'appel de la mobilisation lancée par le président de la République en réaction à l'agression rwandaise à travers les M23 et leurs complices. Les manifestants aux couleurs des partis et regroupements politiques, entreprises, sociétés civiles, mouvements associatifs et autres ont bravé la pluie comme pour témoigner leur patriotisme à la nation congolaise dont la paix est menacée dans la partie est de la République. La marche est partie de la place Les Copains au quartier Mvoadou, a eu pour point de chute les ronds-points Kimbangu à la place Coca-Cola. Ici, le gouverneur Guy Bandundungidi a fait entendre sa voix à ses administrés. Si nous avons marché sous la pluie, et cette pluie est une pluie de bénédiction, pour montrer que nous souvenons toutes les personnes qui sont décédées dans cette guerre, pour montrer que nous n'oublions pas que le pays est en guerre. Nous marchons également pour soutenir le chef de l'État dans sa quête vers la paix. Ceci est une marche de paix. Mais qui veut la paix prépare ? La guerre ! Qui veut la paix prépare ? La guerre ! Au nombre des partis et regroupements politiques présents à la marche, figurent en bonne position le Congrès national congolais Fédération du Congo central sous la conduite de son fédéral Laurent Bouaka, qu'assistait l'interfédéral Gaylord Mavavi.